Durandal est une épée légendaire ayant appartenu au chevalier Roland, neveu de Charlemagne et comte de la Marche de Bretagne. L'épée fut forgée par le forgeron légendaire Galan, ou Galan d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se dit, et on dit que c'est un ange en personne qui la fila à Charlemagne pour qu'il la donne à l'un de ses capitaines. Mais selon d'autres sources, l'épée aurait été prise à des Sarrasins après une bataille. Son nom Durandal vient du fait qu'elle était si dure qu'elle ne pouvait être brisée. Et pour cause, alors que Roland se retrouve coincé par les Sarrasins au col de Roncevaux, le chevalier tente de péter l'épée contre un rocher pour ne pas qu'elle tombe entre les mains de l'ennemi. Mais ça fera air à l'épée et c'est même le rocher qui se brisera, formant ainsi la brèche de Roland. Solide, hein. Du coup, il décide de balancer l'épée super loin, bah il se sera pas raté parce qu'elle aura parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour aller se ficher dans un rocher à Rocamadour. Belle perf. Abonne-toi si tu ne veux pas que je te découpe en tranches comme une part de quiche. Les épées du Randil sont forgées dans les mines par des nains.